Et bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test. Je voulais tester le Max & More comme ceci, qui est un stick qui est conçu pour les joues, pour les yeux et pour les lèvres. Donc il est trio de chez Max & More que j'ai acheté chez Action à 1,49€. Donc je vais tester ça avec vous. Hein. C'est le 187 Plume. Donc c'est un stick comme ceci, il y a 7,5 grammes, voilà, ben écoutez on va tester ça ensemble. Alors j'espère que ça sera pas trop gras, parce que ça ressemble énormément aux autres sticks highlighter. Bon je vais déjà faire les joues, hein. Allez, bon c'est assez pigmenté hein. Oh là là, il y a de la pigmentation. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, petit make-up tout simple, hein, avec juste ce petit produit-là, puisqu'on peut faire les joues, les yeux et les lèvres. Donc, sur les yeux. Ça va nous donner un petit côté bonne mine, hein, sans avoir trop de matière. C'est impeccable. Voilà ce que ça donne. Désolée, on a été coupé. Donc, je vous disais, joues, yeux et bouche. Eh oui. C'est un peu gros quand même. C'est un peu gros pour aller sur les lèvres, mais le fait est, hein, ça fonctionne bien. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà venir l'appliquer, comment dire. J'essaye de me trouver un petit pinceau. Hop, comme ceci. Donc, vous pouvez l'appliquer déjà avec le petit raisin ou alors avec un pinceau. Voilà, comme ceci. C'est vrai que ça vous donne plutôt un côté bonne mine avec juste ce petit stick hein, de chez Max & More. Alors qu'est-ce qu'on a comme on a ça déjà. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Hop. Bah, écoutez, si vous le retrouvez dans vos actions, c'est plutôt sympa. Hein. Donc voilà. Donc petit make-up du jour très simple. Je vais venir en remettre un tout petit peu sur mes yeux ici. Parce que je trouvais que c'était léger de ce côté-là. Hop. C'est vrai que ça donne un petit côté bonne mine. Hein. Par contre, je vais venir le poudrer. Parce que comme c'est des matières crémeuses. Alors, on va voir. Parce que des fois, quand on vient poudrer, bah, ça enlève un peu l'intensité du produit. Je viens prendre ma petite Berry Sweet hein, à la fraise. Donc, pourquoi je viens poudrer? Parce que bah, là, il fait très chaud. Et sinon, je vais transpirer, quoi. Donc, c'est idéal hein, pour se faire un make-up, nos make-up, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est bon. On arrive à garder quand même un peu d'intensité. On voit quand même encore un peu le produit. Mais voilà, moi, si je ne poudre pas ces choses-là, je vais transpirer et ça va coller. Ça va, non, ça va être désagréable. Donc, je préfère poudrer un petit peu. Surtout avec les chaleurs, là. Voilà. Bah, écoutez, on garde quand même l'intensité du fard. Ça se voit quand même. Voilà. Alors, si vous avez envie d'apporter un côté mat à vos lèvres, vous venez poudrer aussi votre lèvre, hein. Je vais vous faire voir ça. J'ai très longtemps fait pour poudrer mes rouges à lèvres. Quand je voulais être sûre que ça tienne, eh ben, je venais poudrer mon rouge à lèvres. Ah, comme ça. Alors bien sûr, ça vient le matifier un peu.
Mais voilà, ça vient le faire tenir un peu plus longtemps, ça vient le fixer, ça vient le matifier. Hein? Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit stick, mais moi j'aime plutôt, c'est plutôt sympa. On va venir mettre un petit peu de mascara. Donc je prends mon XXL Fiber de chez Laetitia Wells. Fiber parce qu'il y a des fibres dedans, ça vient vous apporter un petit peu de fibres dans vos cils et du coup ils sont un peu plus épais. Bon, moi je recherche pas l'épaisseur, c'est surtout la définition du cil. Du coup, pour le coup, ça fait quelque chose de très très nude, hein. Très léger. Bon, enfin, j'ai envie de vous dire, comme il fait très chaud, c'est plutôt sympa. On n'a pas envie de se maquiller, juste se donner un petit côté bonne mine. Alors, j'espère que vous allez réussir à retrouver ces petits sticks dans vos actions, parce que moi, je les ai trouvés ce week-end. J'ai un gros trou dans mes cils là. J'ai toute une partie où vous voyez là, ici, j'ai plus rien. Je sais pas. Ça tombe, hein. C'est comme les cheveux. Comme moi en ce moment, les cheveux tombent énormément. Voilà ce que ça donne. C'est tout ce que je mettrai aujourd'hui. C'est simple, rapide. Et puis, on a très peu de choses, hein. Vous voyez juste ce petit stick de chez Max & More. De chez Action, 1,49 €. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a vraiment pas grand chose. Je n'ai même pas réalisé, j'ai même pas mis de bébé crème. J'ai juste mis ma petite crème de jour, puisque là il fait vraiment trop chaud. Donc juste ce petit stick qui fait les trois choses en même temps. Donc les yeux, paupières, fard à joues et les lèvres. Voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et profitez de vos vacances. Voilà, je vous fais des gros bisous.